Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester les produits Manic Panic. Donc, je vais faire mes cheveux avec vous. Et voilà. Donc, il est 3h30 du matin. Voilà. Et je vais faire mes cheveux à cette heure-ci. Oui. Bref, donc hier j'ai fait mes racines avec ma colo Sayos classique. Donc je suis encore un peu ici noir. Même à cette heure-ci, il y a des voitures qui passent, des camions qui passent. Donc j'ai juste fait les racines et j'ai fait dégorger un peu la couleur. Donc la couleur a un peu repris sur en rinçant, mais c'est pas grave, on va décolorer de toute façon. Je vais essayer de redécolorer quelques mèches que j'avais déjà et essayer d'en faire un peu plus, surtout ici autour de la tête. Tout simplement. Je vous filmerai pas toute l'étape parce que en plus je viens de voir que j'ai presque plus de batterie, donc tant que ça pose, faudra que je recharge. Donc on va commencer avec le flash lighting. Ah, j'ai pas fini de vous dire ce que j'ai fait comme soin. J'ai fait deux shampoings avec ceci, Prepare to Die Clarifying Shampoo, donc de Manic Panic, et il décape, hein. Franchement, ça décape. Donc là, c'est ce que je vais réutiliser après pour rincer ça. J'ai fait un soin où j'ai fait poser pendant très longtemps, de 3h30 du matin à vers midi, je crois, 11h30 midi. J'ai fait un masque Pantene, voilà, tout simplement, sur conseil d'Emmy. Donc, les conseils que moi je vous donne, c'est dès que j'ai pris auprès des miens. Et voilà, tout simplement. Donc on va commencer par la décolo. Donc vous avez tout dedans. Bon, il y a des gants, moi je vais prendre les miens. Il y a le petit pot. Ça c'est quoi? Alors attendez, on va tout déballer. Il y a la poudre, il y a le liquide et il y a les instructions. Voilà, mais c'est toujours la même chose. Et il y a même le pinceau. Je trouve ça très complet. Donc moi, j'ai tout acheté sur Maki Beauty. Ils ont peut-être mis une Charlotte. C'est peut-être une Charlotte. Alors, ça c'est les gants. Et ça, Kesako. Qu'est-ce que c'est? C'est Charlotte. Bah écoutez, on va s'en servir. Hein. Voilà, donc j'ai déjà commencé ma petite mixture. Je vais prendre le pot qui est dedans parce que j'ai pas pris le mien. Donc je mets d'abord la poudre. J'ai même pas pris quelque chose pour attacher mes cheveux si jamais j'ai besoin. Voilà, donc c'est Bleach Power décolorant, poudre décolorante, super force décolorante, 36 grammes. Et sur la boîte, ils disent que c'est du 30 volume 9%. Voilà, je sais pas ce que c'est. Donc oui, s'il y a des coiffeuses qui me suivent, désolé. Hein. Ensuite, j'ajoute le bitonio, le liquide. Oui, vous m'excuserez, hein, il est un peu tôt, donc je sais plus ce que je raconte. Mais comme aujourd'hui c'est le jour de mon anniversaire, je dois préparer tout pour la venue des filles demain. Donc, comme je ne peux pas faire, je peux pas faire cuire ma viande maintenant, puisqu'il faut qu'on aille l'acheter. Bah, du coup, j'ai mes cheveux. Il est peut-être un peu petit, hein. Pour mélanger ça risque d'être un peu tendu, hein. Déjà qu'il n'est pas solide, donc je vais jeter les papiers au fur et à mesure, sinon on va pas s'en sortir. Alors combien de temps, ce qu'ils disent qu'il faut laisser poser, normalement c'est 45 minutes, hein, mais ah là ils disent carrément 60 à 90 minutes. Mmh.
Temps approximatif nécessaire pour que les cheveux naturels atteignent une teinte jaune citron pâle. Alors, couleur naturelle, blond clair à foncé 20 à 60 minutes, châtain clair 20 à 90 minutes, châtain moyen 40 à 90 minutes, châtain foncé 60 à 90 minutes. Ah bon? Le bleach était 45 minutes. Mais écoute, on laissera gérer, de toute façon, ils disent qu'on peut. Alors, donc, je vais mélanger ça. Je vais mettre mes gants avant de faire des bêtises. Donc, c'est les gants dans les boîtes, dans le ménage. J'ai préparé mes papiers cellophane. Je vais essayer avec du cellophane. C'est un peu chiant à appliquer, mais ça tiendra mieux sur mes cheveux. Alors oui, pour mélanger, c'est extrêmement chiant. C'est assez petit, le pot. Voilà. Donc, je vais garder le pinceau pour mélanger au fur et à mesure parce que je vais appliquer le produit avec mes doigts. Je vais prendre mon peigne à queue et je vais d'abord enlever une partie ici, sous conseil d'Amy, toujours. Oui, c'est ma fournisseuse officielle de conseils capillaires. Puisqu'elle a fait des études de coiffure. Donc, je lui fais confiance. Hein. Donc, comme j'ai dit à celles qui me suivent et qui sont coiffeuses, m'en voulez pas. Hein. Voilà. Je ne suis pas coiffeuse, moi. J'ai fait quelques mois d'études, mais ça n'a pas duré longtemps et j'étais pas beaucoup. Alors, je vais commencer par prendre les mèches. Donc, je vais essayer de ne pas prendre des trop épaisses, parce que ça aussi, Amy me l'avait dit. Mais ils sont tout électriques avec les gants. Je vais être plus longue. Je vais pas prendre celles qui sont cassées, ça sert à rien. Électrique. Oui, j'ai pas fait de soin dedans. Ce conseil de Mimi toujours. Je commence par les mèches que j'ai pas déjà décolorées pour comme ça pousse plus longtemps. Alors je vais pas jusqu'à la racine, hein, ça change rien de toute façon. J'ai les cheveux qui repoussent trop vite. Donc là j'essaie juste de faire un petit peu diffus. Et je masse bien le produit pour bien le faire pénétrer. Il est assez épais le produit. Le bleach était vachement plus liquide. Donc c'est pas plus mal. La prochaine fois, on fera full colorista, mais pas tout de suite, quoi, parce que je vais pas m'amuser à faire mes cheveux comme ça tout le temps. C'est juste une fois de temps en temps. Sinon après je ferai juste mes racines et les cheveux bleus. Ça fait, j'en fous déjà partout. Donc je vais bien jusqu'aux pointes et je masse pour bien faire pénétrer le produit. J'ai l'impression qu'on voit déjà que ça décolore. Donc j'enroule ma mèche. Et je mets un cellophane. Du coup, quand je vois la taille de ma mèche, j'ai fait un peu des feuilles un peu grandes. Hein. Ouais. Voilà, j'espère que ça va bien tenir. Parce que l'alu, il a tendance à glisser. Voilà, bon, c'est pas top non plus. À cause des gants. Bon, écoutez, on va laisser comme ça. Alors, je vais en faire une autre de l'autre côté. Après, le problème, c'est pour retrouver les mèches dans les cheveux. Le produit est assez épais. Hein. Et je masse chaque mèche pour être sûr que le produit prenne bien. Enfin voilà, je pense que vous avez compris le principe. Donc je viens vous retrouver quand j'ai fini
toutes mes mèches. Voilà la tête que ça me fait. Voilà. Donc je vous conseille pas avec, avec le cellophane, ça glisse vu qu'avec les gants on en met partout. Voilà, mais bon, écoutez, pour l'instant, on va laisser poser. Donc je vais mettre un minuteur, vu qu'ils disent entre 60 et 90 minutes, je vais mettre 75 minutes. On va déjà mettre une heure pour être sûr. Hein. Ouais. Ah, attendez. Voilà. Ben, je vais aller faire recharger ma batterie pendant une heure. J'ai rincé et nettoyé avec le shampoing Manic Panic. Voilà. J'en ai foutu absolument partout. J'ai pas utilisé tout le produit. Il en reste un peu. Voilà. Bon, donc j'ai récupéré le pinceau. Le reste, ça va à la poubelle. Il faut que je fasse sécher mes cheveux. Alors le problème c'est que moi j'ai pas de sèche-cheveux parce que j'en utilise jamais. Donc je vais devoir les sécher devant la soufflerie de mon poêle à poêle. Voilà, c'est le sèche-cheveux industriel que j'ai chez moi. Donc je reviens vous montrer le résultat quand ils sont secs et on pourra poser les deux couleurs. Donc je vais mettre la Atomic Turquoise sur les mèches qu'on vient de décolorer et la Shocking Blue sur le reste des cheveux. Voilà. Donc j'espère que le turquoise ressortira bien 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 turquoise comme son nom l'indique. Et on verra ça. Donc je reviens tout à l'heure. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant pour la décolo. Et waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors j'ai laissé poser une heure. Alors forcément celles du dessous sont un peu plus orangées. Mais les autres sont déjà devenues limite jaunes. Donc j'aurais laissé poser une heure et demie. Je pense qu'on avait du boublon quand même. Hein, voilà, bon là c'est assez, on va pas trop non plus en demander, hein. Je veux juste quelques reflets plus clairs dans les cheveux, je veux pas non plus être toute blonde, hein, même si j'ai la main un peu lourde, mais waouh, ça a super bien pris. Hein. Donc là ce que je vais faire, je vais aller achever de les sécher, ils sont presque secs, hein, mais il faut vraiment qu'ils soient totalement secs. Par contre, ils ont un effet paille, hein, une fois que vous les décolorez comme ça, et surtout que j'ai utilisé le shampoing décapant et j'ai pas fait de soin dedans et tout. J'ai hâte d'être à ce soir pour qu'ils soient bien tout lisses et tout. Je vais donc achever de les sécher et je vais séparer les mèches, enfin, essayer, hein, les plus claires pour les mettre, mettre le... Oh, j'arrive même plus à parler. Mettre le turquoise. Mais je suis en train de me demander si je vais pas mettre le turquoise partout en fait. Ouais. Je pense qu'on va faire ça. On refera une autre fois le shocking blue là. Mais j'ai vraiment envie de faire le turquoise. Et comme le reste est resté quand même assez noir. Et ça me prendra moins de temps de devoir séparer les mèches et tout ça. Surtout qu'il y a plusieurs tons, même dans la décoloration, donc ça peut faire des beaux reflets. Ouais, écoutez, je pense qu'on va faire ça. On va foutre la turquoise partout. De toute façon, si les reflets sont pas jolis, au pire, après, je refais une foncée par-dessus. Mais on va faire ça. Donc, je vais achever de les sécher et je reviens pour appliquer le bleu. Donc, on peut passer à l'étape la plus amusante. Donc, je vais mettre la couleur qui est la Atomic Turquoise. Alors, je vais l'ouvrir avant de mettre mes gants, parce que sinon, ça va être compliqué à ouvrir. Elle est scellée. Donc, j'ai jamais testé hein, les Manic Panic. J'ai utilisé que Crazy Color et les Révolutions jusqu'à maintenant. Je suis contente des deux. J'arrive pas à l'ouvrir. Vous la sentez la connerie arrivée? Il est dur le pot. De toute façon, rien de particulier.
Après, j'ai plus beaucoup d'odorat vu que je suis malade. J'enfile mes petits gants. Alors là, je ne fais pas au pinceau vu que je ne fais pas vraiment les racines. Donc, je vais juste y aller directement au doigt. Enfin, ouais, avec les mains, quoi. C'est mon pull pour mes colos, hein, donc là, je vais quand même la toutouiller un peu pour être sûr. La couleur. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la tête. Je vous le dis, moi. Donc, j'en prélève tout simplement avec mes mains. Je mets dans mes gants et on applique ça. Donc, j'en mets quand même partout et quand j'arrive sur des mèches plus claires, je masse bien, bien, bien pour que ça rentre bien dans la fibre des chevelus. Alors ça s'en met la mort avec la décolo, c'est chiant. Pour bien faire pénétrer le produit. Et voilà. Donc là, ils disent de le laisser poser 30 minutes. Moi, je vais faire comme avec les autres, je vais laisser poser 45 minutes. Donc, j'espère juste que j'aurai assez avec un pot, parce que j'en ai qu'un de cette couleur-là. Normalement, j'ai assez pour faire ma tête avec un bidon, et là il y en a un peu plus que dans les bidons. Donc, par contre, c'est beaucoup plus pratique que les bidons. Je dois toujours demander à Chérie qui me les vide parce que j'arrive pas à appuyer dessus. Le pire, c'est Révolution. Hein. Les Crazy Color, ça va encore, mais la vraie Révolution, hein. C'est Chérie de packaging. Je comprends pas qu'ils fassent pas ça dans des cubes souples. Donc là, je vais commencer l'autre côté pour que ça prenne à peu près de la même façon de chaque côté de la décolo, vache, j'en reviens pas. De chaque côté pendant la même durée. Donc, petit minuteur de 45 minutes au moins, 45-50 minutes. Je rince, je fais mes soins, je fais sécher et je viens vous montrer ce que ça donne. Vous verrez demain ou très vite ce que ça donne avec les cheveux bien coiffés et maquillés et tout ça. Et on parle ensuite des produits pour voir ce que j'en pense une fois que tout sera terminé. Bon, je vous retrouve, il est 13h. Voilà. Mais je suis plutôt contente du résultat, je ne sais pas si vous voyez. Bon, là, ils ne sont pas lissés rien. Hein. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo avec les cheveux bien coiffés. Là, ils ont juste séché naturellement. J'ai pas fait de masque, j'ai juste mis mes huiles. Et bon, ici, ça fait vert. Mais en bas, c'est bien bleu turquoise. Le violet ressort à gogo encore une fois. Je n'arrive pas à me débarrasser du violet. Peut-être que ça veut dire que je dois rester dans les tons roses ou violets. Mais... voilà, j'aime beaucoup le rendu, sauf que il y a des mèches qui n'ont pas pris. Donc ça, je pense que c'est parce que j'ai appliqué ça à la truelle comme une cochonnette encore. Mais franchement, j'aime beaucoup. Mais il faudra quand même que je refasse un shampoing colorant par-dessus, je pense, pour uniformiser. Surtout les mèches qui n'ont pas pris. D'ici, ça, franchement, en vidéo, ça ne se voit pas du tout. En bas, ça se voit beaucoup plus. Je vais essayer de vous faire une petite capture après à la lumière du jour. Là, je vais déjà vous montrer d'un peu plus près. Donc, vous voyez bien quand même, ça a bien pris. Hein. Mais ça ressort un peu plus vert ici quand même. Hein. En tout cas, je suis contente. On voit les mèches comme quand j'avais fait le rose. Le mauve, c'était un peu moins flagrant. Et le bleu foncé, c'était un peu moins flagrant aussi. Donc franchement, je suis plutôt contente. On va regarder derrière ce que ça donne, hein, puisque moi je ne sais pas non plus. Attendez, je me retourne en essayant de ne pas vous mettre le dossier. Voilà, comme ça, moi je verrai ce que ça donne. Et vous voyez aussi ce que ça donne. Je ne sais pas. Je vais voir ça en faisant le montage. Donc, pour revenir sur les produits, alors le shampoing,
C'est un clarifiant, c'est un décapant. Clairement, c'est un décapant. Il décape. Il fait bien son job. Vous avez les cheveux. Après, c'est de la paille. Hein. Donc là, bon, ce soir, je ne vais pas les relaver parce que je les ai assez martyrisés. Là, je vais leur foutre la paix 2-3 jours. Oh, j'adore la couleur. Je vais leur foutre la paix 2-3 jours. Mais après, je referai un bon masque et tout pour bien réhydrater les pointes, bien refermer les écailles et tout ça. Bon, là, avec le lissage ce soir aussi, ça va. Ça va aider. Oui, je vais les lisser ce soir pour m'avancer pour demain. Mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Mais ouais, je suis super contente en tout cas du résultat. Donc le shampoing, si vous voulez bien décaper votre ancienne couleur, bien que ça n'a pas enlevé tout le violet, parce qu'en bas, au soleil, à la lumière du jour, le violet ressort vraiment à fond. Donc je vous le conseille quand même. Ça décape. Gros coup de cœur sur la décoloration. Franchement, elle n'est pas hyper chère. Elle décolore vraiment super bien. J'aurais laissé un peu plus. Je pense qu'on arrivait limite à la couleur de mon pull. C'était un truc de fou. On voyait, quand j'appliquais, on voyait la décoloration se faire. Franchement, j'ai été assez bluffée. Maintenant, ce qui est dommage, alors je parle que sur Malky Beauty parce que c'est. Voilà, je ne sais pas où on peut acheter d'autres cette marque-là. Je ne crois pas qu'il y a sur Beauty Bay. Mais là, vous avez carrément le pot et le pinceau avec et tout, ce qui est très bien quand c'est la première fois et que vous n'avez pas le matériel. Mais quand vous l'avez, ça serait bien d'acheter juste la poudre et le liquide, quoi. Donc ça, il faudrait que je regarde sur le site officiel, mais bon, de toute façon, je ne vais pas commander sur le site officiel. Donc, après, c'est 12,95 € et je l'ai eu en promo à 9,93 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc l'un dans l'autre, c'est pas très cher et c'est super efficace. Donc franchement. J'ai vraiment gros coup de cœur là-dessus. Et la couleur, j'aime bien le fait qu'elle soit en peau, c'est hyper pratique à appliquer puisque vous n'avez pas besoin de transverser. Moi, je transverse les Crazy Color et les Révolutions dans un pot justement à colo. C'est Chéri qui doit me le faire parce que j'arrive même pas à vider le pot moi-même tellement c'est compliqué puisque c'est pas des pots souples. Donc là, c'est hyper pratique. Après, elles sont vachement plus chères. Les Crazy Color, moi, sur Maki Beauty, je les paye 4,95 €. Hein. Ici, on est quand même à du 12 balles. Hein. Donc, voilà. Mais c'est vrai que cette teinte-ci est bien flash. Elle marque bien. Franchement, il faudra que j'essaye quand même une fois en faisant les mèches avec celle-ci, avec du Crazy Color par-dessus. Je pense que l'effet est à peu près pareil. Le soin est moins bon que le Manic Panic, que le Crazy Color aussi. Mes cheveux sont moins doux. Par exemple, la Révolution ou la Crazy Color, même que je remets rien dans mes cheveux par après, ils sont super doux et tout. Là, ils sont doux, hein, je peux pas dire le contraire, mais. On sent que les pointes, les écailles sont pas encore bien fermées et tout ça. On voit, regardez ici, vous voyez, les cheveux partent un peu en cacahuète. Mais ouais, franchement, je suis plutôt satisfaite. Hein. Si j'ai le résultat là, à chaque fois que je fais une colo, je m'en fous de mettre plus cher que les Crazy Color, quoi. Voilà, mais j'adore la couleur. Mais vous voyez, par exemple, ici, ça n'a pas pris. C'est encore un peu jaune. Mais ça, c'est sûrement parce que moi, je l'ai mal appliqué ou que j'ai trop raclé quand j'ai massé. Mais en refaisant une Crazy Color par-dessus, ça camouflera, quoi. Mais sinon, c'est pas flagrant non plus. Franchement, je suis plutôt contente du résultat. Hein. C'est vraiment ce que j'espérais, avoir des mèches comme ça, un peu plus pétantes dans mes cheveux, plus foncées. Et même les reflets dans le reste de la chevelure, on le voit aussi, quoi. Ouais, franchement, je suis assez contente. Là, je sais pas si c'est une mèche qui a des. Que j'ai décoloré. Non, c'est pas une déco. Là, on dirait que j'ai récupéré ma couleur naturelle. Presque. Enfin, bref. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de mes petits produits. Donc, voilà. Si vous vouliez mon avis, franchement, rien que la décolo, moi, je suis bluffée. Le shampoing est peut-être pas indispensable parce que vous pouvez avoir le même effet en faisant un peu plus de shampoing avec du Head & Shoulders. Donc, c'est quand même moins cher. Mais si vous avez vraiment des restes pour changer de couleur, je pense qu'il est vraiment adapté. Bien que ça n'ait pas enlevé tout le violet, hein, tous les reflets violets. Mais je pense quand même que c'est assez adapté. Par exemple, si maintenant je voudrais repasser. Ah oui, cette mèche-là, elle n'a pas pris du tout. Pas grand-chose, quoi. Mais bon, ça restera comme ça quelques jours, hein, parce que je ne vais pas refaire un shampoing colorant maintenant. Je ne sais plus ce que je voulais dire.
Ouais, si vous changez de couleur, je pense que c'est mieux pour enlever les pigments quand même qui restent sur vos mèches. Maintenant, il n'est pas indispensable, mais il m'a été utile quand même parce qu'il a bien décapé et ça a bien préparé. Franchement, je suis bluffée. Je m'attendais pas à ce que les couleurs, enfin, que la décoloration prenne aussi bien et que la couleur se voit aussi bien sur ces mèches-là. Je suis contente. Voilà. Donc voilà ce qui conclut mon petit crash test manique panique. Je ne sais pas. De toute façon, là j'ai un stock de Crazy Color, donc il faut d'abord que j'achève ceux-là. La prochaine fois, je pense, on testera totalement Colorista, comme je vous l'ai dit. Et la fois d'après, parce que bon, je ne fais pas ça tous les mois. Hein, voilà, après, je refais juste des shampoings colorants pour intensifier un petit peu la couleur. Mais on fera Colorista en entier et on testera aussi une fois, bah, par exemple, de mettre celui-là et les Crazy Color par-dessus et tout ça. Mais les mèches, je les fais pas régulièrement, quoi. Hein. Là, c'était juste parce que j'avais vraiment, vraiment envie d'avoir cet effet-là. Et je suis contente. Voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite, peut-être demain, pour une nouvelle vidéo, je ne sais plus où j'en suis. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.